Bon. Eh bien, serrons les fesses, les amis. Serrons les fesses. Prier, hein. 1000, 5000, ça a l'air d'être stable pour le moment. Bon, on va bien voir. You can become a real human. Come to me, my son. I never bound to the Grand Covenant like a puppet because of Carlo's memories within you. Cette attaque fait très mal. I know you have gone astray. Cette attaque fait mal. D'accord, celle-là non. Ok. Non. Ok. Rose, Joristan. Oh la vache. Ça a l'air de tenir pour le moment, mais on verra bien dans le dans la suite. Hein. Pour le moment, c'est pas trop stable. Ça oscille entre 4000 et 6000. Mais ça reste dans le vert, c'est viable. J'ai pas de perte. On y croit. Ouais, on y croit, ouais. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Vas-y, mais c'est quoi ces attaques? Oh, mais c'est super violent! Ça fait si mal! J'avais un quart de vie, ça me les a enlevés. En trois coups, il me tue. Dans sa P2, en trois coups, il me tue, c'est sûr. Le jeu est tellement mal dosé, c'est impressionnant. Ouais. You can become a real... Mal dosé, je sais pas, mais il a des problèmes d'équilibrage, c'est sûr. Bon, pour un boss de fin, c'est bien. Oh, le coco. Moi, je dis, pour un boss de fin, c'est très bien la difficulté. Mais les dégâts sont trop abusés. Moi je dis 0,80 de dégâts en plus là, enfin en moins du coup, ça aurait été parfait. Il fait beaucoup trop mal. Il fait vraiment trop mal. C'est à se demander comment c'est possible de nos jours de si mal équilibrer un jeu. Oui. Après, c'est un Souls-like, donc c'est censé être difficile. Mais en fait, la difficulté elle réside pas dans le combat, mais dans les dégâts qu'il inflige. Par contre, ça, c'est
C'est de la merde. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Donc à mon avis, je pense qu'ils l'ont fait parce que c'est... J'avais 3 quarts de vie. J'avais 3 quarts de vie. Oh oui, j'ai fait pire. J'ai fait pire, ma chère Coco, c'est vrai. Mais là, la difficulté est telle que c'est... C'est terrible. C'est fait pour que les gens s'abonnent et donnent des cœurs. C'est pour ça, mais c'est quel jeu horrible. Quel jeu horrible. Le streamer souffre pour obtenir de l'argent. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Mais qui ferait ça de nos jours? Qui ferait ça, hein? Je ne vois personne ici. Enfin. Aïe. Troublesome little puppet. Je me demande si je peux pas. Ah, j'ai pas le. Ah, il me faudrait une manette avec un roue haptique. Il faut une manette avec un retour plus violent. En fait, mon bouton il reste enfoncé, j'ai pas le temps de réappuyer en fait. Donc il reste enfoncé pour qu'ils attaquent enchaînés. Il va se soigner. C'est dans la logique des choses, hein. Ok, j'évite un maximum de dégâts quand même. J'évite les dégâts. Et je m'en prends quand même beaucoup moins. Me prend quand même pas mal de dégâts. How dare you? You're just a puppet. Je peux pas utiliser mon clone. J'ai pas la possibilité d'utiliser mon clone, ma chère Jorissan. Je n'ai pas la fontaine. Pas la fontaine, je dois l'affronter seul. J'ai pas eu de déperdition là, ça va faire 10 minutes que j'ai relancé le live. Ça a pas eu de problème. D'accord, tu ne comprends pas pourquoi c'est aussi difficile. Si, je comprends pourquoi c'est aussi difficile. La difficulté dans ce combat réside dans sa puissance d'attaque, parce qu'il tape très dur. Ses attaques sont avec peu de répit. C'est un boss qui est non pas dans la puissance, c'est un boss technique. Ses attaques sont parables, quasiment toutes en fait, voire même toutes ses attaques sont parables. Donc en fait, ce boss est l'incarnation même de la technique de jeu qui nous est proposée dans Lies of P, c'est-à-dire les parades parfaites, les attaques rapides, le bras de légion qui doit servir à un moment donné. Mais j'ai pas pris le bon. J'ai fait changer le bras de légion. Ah, dans l'histoire, oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi il est si difficile.
Déjà, le boss de fin. Alors, le boss de fin, si je comprends bien, c'est l'incarnation de deux êtres. Nous avons donc notre papa, Gepetto, qui nous a proposé un choix, enfin qui nous a demandé de nous donner notre cœur, qui est le dernier ingrédient pour réanimer son fils. J'ai pas envie de spoil. Non, non, mais... Ah, pas envie de spoil. Alors, dans l'histoire, on a Gepetto qui est le méchant. On a le boss de fin, qui est en fait le... Comment je peux... C'est impossible sans spoil, en fait. Décrire la difficulté du combat sans spoil, c'est impossible. Parce qu'en fait, c'est le regroupement de tout le jeu qui se déroule là, en fait. Mais en gros, pour résumer grossièrement sans rien dire, ma chère Coco, ce boss est manipulé. Ce boss est manipulé par quelqu'un qui le dirige tel une marionnette. Et il a toute la puissance de l'ergo à sa disposition. Voilà. Il a une puissance illimitée et il est manipulé par quelqu'un. Ouais, c'est pour ça qu'il tape dur, qu'il est rapide. Que le fait de, dans sa phase 2, de l'avoir coupé la tête ne le tue pas. Parce qu'en fait, bon bah, c'est un cadavre, hein. Il est manipulé. Donc en fait, on affronte un pantin. Non mais Coco sait et ne veut pas spoil. Donc elle attend que toi tu dises pour voir si tu sais. Si j'ai bien compris. J'ai pas envie de spoil. Ah d'accord. Ah mais oui mais moi je sais que c'est Carlos. Je sais que c'est Gepetto. Je sais que c'est... Oui non mais je sais. Je sais, c'est de la merde. C'est tout. C'est fait pour faire chier. Come to me, my son. Oh mais... Je sais que c'est Carlos, le fils de Gepetto. Je sais qu'il est mort. Je sais que l'ergo c'est pour le ressusciter. Je sais qu'il a besoin de notre cœur parce qu'on a un cœur spécial. Non, je suis très mal parti. J'ai lu le chat à un moment donné, je me suis pris trop dans le cul là. Je me suis trop pris les aiguillons dans le cul. Ça par contre c'est terrible. Il lâche rien. Il ne lâche vraiment rien. Ah, il lâche rien. Rien. Ça fait chier. C'est violent. Hein. C'est vraiment violent, violent. Hein.
La violence dès que j'arrive sans la rage, ouais. Clairement non. Non plus. C'est terrible. Come to me, my son. Je suis obligé de la jouer défensif. Défensif. J'ai dit défensif, Daco. Va te faire. I know you have gone astray. Trouble some little puddle. Wow. Il est ultra. Your freedom is not for you, but for Carl. Il est ultra vénère. Soigner, c'est la logique. Ok. Ok. Okay. On a comment dire, on a des difficultés sur la P1, mais la P1 n'est plus un obstacle à la progression. Vous remarquez bien au tout début quand j'ai découvert le boss, la P1 elle me terminado enculato. Là bon, c'est plus moi qui ai l'enculado que lui qui me terminado, hein. Mais donne-moi ton âme, chacal. Ah ! Mais t'es sérieux, le one shot ?
là-bas. Il est là-bas, il est là-bas. Je voudrais voir avec toi. Manque temporairement les dégâts physiques après une attaque réussie. Ergo du déchu, ergo tristesse. Après une garde réussite, la durabilité d'armes n'est pas con. Augmente les dégâts infligés par l'arme de la femme par un ennemi stupéfié. Toujours pas, mon cher Ryu. Toujours pas, la marionnette est vraiment compliquée. C'est très 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 compliqué, Ryu. Hein. Je m'attends pas à la vaincre aujourd'hui. Hein. Oui, je t'écoute, mon cher Ryu. Je veux bien un tips. Si tu me dis bonne chance, c'est très bien aussi. Hein. Combat, il est sacrément costaud. Nako, c'est le wa. Direct, c'est. Oh là là. Il est sensible à la foudre, donc l'allumette a aiguisé foudre. À la foudre ! Oh la vache, la foudre, mais t'es sérieux. À la foudre, Ryu. À la foudre. Hein ? À la foudre. Hein ? Décharge électrique. Décharge électrique. Ryu, ton information, je l'avais déjà, bordel. Pierre à aiguiser et décharge électrique. J'ai le bras de Légion électrique. J'ai la pierre à aiguiser électrique. J'ai tout d'électrique, bordel. Je le savais déjà. Oh la vache. Ça, c'est une blague, Ryu. Le dragon Mushu. Les conseils des anciens. J'ai pas eu le temps. Oh le... Ah le fail. Bah oui le fail. Mais coupe ses fils bon sang au lieu de l'affronter en fair play, mais je peux pas faire autrement. Tu en as 5 en P2. Ouais, j'en ai pas 5 là. Franchement, j'ai pas 5 recharges là. J'ai combien? J'ai 2 recharges. Une recharge. Waouh, mais putain, mais comment je l'évite cette attaque? Cinq quoi? Cinq fables, oui. J'en ai 5 quoi, mais j'ai pas de... Ah mais c'est les fables, oui.
Ah bah ça y est, je repère internet. Et voilà. Ça y est. Ouais, non mais c'est pas très utile. Putain, je vais essayer, voir si ça lui fait vraiment des dégâts. You can become a real human. Come to me. Ta sœur, trop de garde. Je m'en prends plein la poire. Les dommages, ouais, les dommages, ouais. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Ah mais putain. Ah c'est de l'art là hein. Ouais, la cour un peu en PLS, ouais. Non, les fables, le truc bleu, ça dépend de ton arme. C'est pas des coups enchaînés, c'est suivant ton arme, c'est des attaques spécifiques. Comme par exemple pour le katana, la consommation de deux fables, ça me permet de lancer une onde. Et les trois petites fables, en fait, la consommation de trois fables, c'est une esquive, une petite attaque, une grosse attaque. Oh là là, vache. La cour en PLS, le voit. La vidéo que je regarde, le mec, il a mis tête de grosse clé à griffe et une poignée de matraque de police. Apparemment, la marionnette est sensible à son art de fable. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Mais le truc c'est que la matraque et la clamolette, c'est que ça fait une masse et la masse c'est très lent. Et j'aime pas quand c'est lent. Je sais que je ne peux pas spoil mais c'est juste ça. Ouais. Mais les fables, j'ai pas le temps de m'en servir en fait. En vrai j'ai vraiment pas le temps de m'en servir. Déjà. Essayons de faire les choses bien sur cette phase 1. Je voudrais. Je voudrais réussir sans trop de dommages. Freedom is not for you.
but for Carlo. Se demander si les développeurs ont fini le jeu quand à la phase de test en gang mode. Si le truc bleu c'est trop bien. Ouais, je sais que c'est bien, mais c'est compliqué à utiliser. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Te faire enculer. Non, mais c'est imparable. J'ai mis ma garde, c'est passé à travers. C'est imparable. Quelle enflure. Oh. Ah oui, il y a un décalage, ouais. Ah, il y a un décalage avec le live qui s'est créé. Ah, moi, le vas-y maintenant, je l'ai que maintenant. Hein. Quand je suis mort, quoi. You can become a real human. Come to me, my son. Mais vas-y, marionnette à la con. J'en ai marre. J'en ai marre de toi et de tes attaques à retard. Bordel. Oh. Ah non, j'ai pas de bouclier. Ah non, j'ai pas de bouclier, ça serait trop cheaté, non? Après j'ai un bras de légion qui peut servir de bouclier, mais le truc c'est qu'il est limité. Il est grave limité le bras de légion. De merde. Soigne-toi. Quasi midlife.
Je veux quelqu'un avec un bouclier sur le bras gauche, il me semble. Oui, il y en a un. Ouais, non, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'étais bien encore, mon arme, elle était même pas à la moitié. Oh, il est terrible ce boss. Je suis quasiment à la moitié du boss. Quasiment. Si tu avais aiguisé avant le combat... Non. Parce que si j'aiguise, je perds la faculté de mettre de l'électricité. C'est une seule fois l'électricité qu'on peut le mettre sur l'arme. Donc je préfère la faire en P2. Je préfère mettre en P2 l'électricité sur mon arme. Grâce à la pierre à aiguiser. Tu sais, je peux mettre la durabilité. Ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je mets l'électricité. Mais je peux plus remettre l'électricité. C'est ça le truc. C'est qu'une seule fois, cette capacité avec la pierre. Donc faut la faire en P2. Et mon arme, de ce que j'ai vu, elle était même pas arrivée à la moitié de sa durabilité pendant le combat. You can become a real human. Non, c'est pas une limited. C'est trop cheaté sinon. Hey, on est chez Pinocchio, on n'est pas chez Oui, hein. C'est ça qui est dur. Je récupère ma santé. Je récupère ma santé. Raté. If you can't find those memories, I'll make you into human myself. Non mais oui, mais que tu puisses la remettre avec un coup sur les ressources. Ah non, non. C'est ça qui est compliqué dans ce jeu, regarde. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Franchement, les décharges ne semblent. Les DA sont parfois exercés. Ouais, c'est pas. Changer pire aiguisé. On va faire autrement. Oh.
On va faire autrement. Et on va rester sur le char. You can become a real human. Come to me, my son. Pas exceptionnel les dégâts. Grand Covenant puppets because of Carlo's memories within you. Pas si exceptionnel. I knew you had got straight. Merde! Il va me buter! D'accord, je vois que tu as utilisé le Wa, tu lui as fait des dégâts de fou. Ah ouais? À ce point-là, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. J'ai vraiment pas fait gaffe aux dégâts. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Ah! Ah, je vous l'avais dit, hein. C'est vraiment que quand j'ai un temps de merde, bah j'ai une queue de merde, voilà. C'était pas ma box le problème. Ce n'était pas ma box le problème, les amis. Ce n'était pas ma box. C'est vraiment le temps de merde. C'est lui qui me fait chier. Oh là là. Oh non, la co, mais pas maintenant, mais pas comme ça, mais pas toi. Bah oui, mais oui, mais bon. On choisit pas, hein. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas vrai. Là, je vais vriller, hein. Je peux pas, hein. Je peux pas stream, les amis, hein, vraiment. C'est pas viable, hein. Vraiment, c'est vraiment pas viable, hein. You can become a real human. Come to me, my son. Je suis même plus concentré. Ça m'a enlevé. Ça m'a enlevé de là. I never bound to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. Ouais, je suis plus dans le combat. I know you have gone astray. Troublesome little puppet. Your freedom is not for you, but for Carlo. Effectivement, je suis plus dedans, je suis mort. Ah oui, mais effectivement, Jorissan. Ah mais j'ai pas utilisé de les WA, hein. Enfin, les fables, c'est des fables ici. Je les ai pas utilisés, hein, Coco, hein. Je les ai pas utilisés.
Je ne les ai pas utilisés. Par contre, je suis désolé, mais l'acide, ça lui a fait un truc, hein. Il a pas aimé l'acide, hein. On va tester avec l'acide, mais il a pas aimé, hein. You can become a real human. Come to me, my son. Il a vraiment pas aimé l'acide, hein. Ah, oh, j'ai pas le temps. Oh, je suis vraiment plus dedans. Je suis plus dedans. Dur là. C'est dur. C'est pas un... C'est pas le boss le plus évident du monde, quoi. Vraiment, j'ai l'impression d'affronter un boss de Sekiro, hein. J'ai oublié qu'il y avait une quatrième. Non mais franchement, je suis la dernière des merdes. Je suis vraiment une dernière des merdes. Oh, je suis la dernière des merdes. Ah, vas-y. Eh, vas-y, viens par là. Vas-y. Mais je vais retourner sur Sekiro, moi. Hein. C'est plus facile, Sekiro. Oh, il m'a niqué tous mes trucs. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Non, je ne peux pas prendre le bouclier. Si je le prends, je deviens trop lourd. Et oui, le problème, c'est que j'ai l'encombrement. Le problème de l'encombrement, les amis. Hein. Si je change mon bras, je deviens trop lourd. 80. Le wa. Mais quoi, le wa? J'ai gardé mon wa. J'ai pas le temps de l'utiliser, mon wa. Il faut être proche de lui. Oh, mais fable, je ne peux pas, Coco. Mais fable, c'est ça, hein, mes fables. Hein. C'est pas le truc ultime, hein. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memory within you. Quand je retourne dans le combat, par contre. Faut que je retourne dans le combat. I know you have gone astray. J'y suis plus. Troublesome. Thank you.
is not for you. If you can't find Zeus, I'll make you into a real human myself. Je dois retourner dans le combat. J'ai vu quelqu'un qui l'a fini, je ne joue pas. Je pensais que c'était un CD. On peut le faire qu'une fois, du coup il doit le garder. Si tu faisais c'était sur ta lame, on ferme la porte. Ouais, c'est, je peux le faire qu'une seule fois. La pierre aiguisée ne donne qu'une seule fois le bonus qu'elle a. Je suis pas concentré. Enfin, je suis déconnecté de du truc là. Non, non, justement, pas de pause. Non, c'est pas un enchaînement de coups, c'est pas la même arme. Chaque arme a un enchaînement différent. Moi, c'est pas ce que tu penses. Moi, c'est ça. Moi, c'est juste ça. C'est une charge. C'est pas... C'est pas autre chose. Et ma deuxième, c'est ça. L'âme circulaire. Là, j'en ai plus. Chaque arme a ses trucs différents. Donc si la personne que t'as regardé n'utilisait pas le katana, on n'a pas la même chose. Eh oui. Eh oui, faut... Chaque chose différente. Eh oui. T'inquiète pas, Coco. Hein. T'inquiète pas, je me doutais bien que t'avais pas trop compris les armes dans le jeu. C'est même moi, j'ai eu du mal à comprendre au départ. Il va se soigner. Ok. Voilà. Une, deux, trois. If only I could spend more time with you. If only I could read your favorite book. Father to son. Voilà. J'avais pas compris. Oui, ne t'inquiète pas, Coco. T'inquiète pas, t'inquiète pas. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Thank you.
Ça va. Ça va, ça va, ça va. Et si tu utilisais le truc bleu, ça donne un coup plus fort. Oui, ça donne un coup plus fort. Mais ça règle pas tous les problèmes, quoi. Ça stunte pas. C'est pas l'outil miracle, quoi, en fait. Faut l'utiliser au bon moment. Oui. C'est le katana des deux dragons. Je suis pas encore dans le combat. Hein. Je suis pas encore dans le combat, mais j'y arrive. Hein. Problème Coco. Compliqué hein. Compliqué. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Oh. Un soin, bordel. Bon, il est vraiment dur, par contre. Il est vraiment, vraiment dur. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il y a des movesets, c'est sûr, 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 sûr. Non, moi je sens que je vais devoir farmer de mon côté pour le dézinguer. Hein. Je le sens gros comme une maison. Je viens de voir une vidéo, le mec il fait une sorte d'attaque. Ouais mais entre ce qui est montré et moi, il y a une différence, c'est que j'ai un style de jeu différent moi. Faut que je puisse jouer aussi à ma manière, je peux pas prendre le style d'un autre. Il est trop lourd. Il est trop lourd. Si je dois le mettre, je dois enlever ma résistance. Hey, j'ai un poids limite. Si je mets le bras de légion qui me permet d'avoir le bouclier, je deviens trop lourd.
Dans ce cas, je ne peux plus me déplacer rapidement. Je peux plus esquiver. Donc je suis obligé de faire que des parades. Ouais, je suis build dexté hein. Voilà. Non, en fonction de ce que j'équipe, je deviens plus ou moins lourd. Mon arme a un point. Je vais te montrer Coco après. Dès que je meurs, je te montre. Mais en gros, mon arme a un poids, mon bras de légion a un poids, mes équipements ont un poids. Tout ce qui m'équipe a un poids. Et en fait, suivant le... Connard. Suivant comment je suis, je suis plus ou moins rapide, plus ou moins performant. Et c'est pareil avec les armes, suivant ce que j'utilise, ça sera plus ou moins lourd, ça sera plus ou moins rapide. Ouais, je joue dextérité, ouais. Je joue de la dextérité. Alors regarde bien. Équipement... Mes amulettes poids 9,3 kg, 2,7, 1,3, 1 kg, 14, 11 kg, 4, 3,9, 7 kg, 16 kg. Mon bras de légion fait 7,9, mon katana fait 12,19 pour un poids total de 73,7 sur 92,9. Je suis légèrement lourd. Si je monte de 1%, je deviens lourd. Et dans ce cas-là, mes roulades, c'est la merde. Donc là, je joue dextérité et je suis déjà trop lourd pour ce que je veux faire. Je suis trop lourd pour mon deck déjà. Faut que j'augmente mon poids, mais... Merde. Il y a un truc qui va plus chez moi. Je suis plus à fond dedans. Oh non, la dextérité c'est pas le plus difficile. Il y a qu'à demander à Ryu comment j'ai battu Lixandra là. Je l'ai battu par la dextérité hein. J'ai pas réussi. Ouais. C'est une catégorie les plus difficiles. Oui, mais c'est ma catégorie à moi. C'est, je suis un joueur dextérité, je suis pas autre chose. Hein. Sur Elden Ring, j'étais un joueur dex. Sur Sekiro, c'était obligatoirement dextérité qu'il fallait jouer. Ah non, mais je n'ai rien. Je n'ai strictement rien. Augmente les dégâts infligés aux marionnettes. Ah, faut que je 26 de poids. Oh la vache.
Faut vraiment que j'augmente mon poids. C'est vraiment ça qui pèse lourd. Hein. Ah, dites-vous que j'ai fait les trois quarts du jeu avec ce truc-là. Hein. Doublure de merde. Hein. Ah, ah non, ce jeu, c'est carrément un compliment. Merci, Coco. You can become a real... Allez, on se concentre. On se concentre. On se concentre. On se concentre. Je suis pas assez débile. J'ai trop de cuit. J'ai dit on se concentre. Je réfléchis trop. On se met à l'arrêt et on réfléchit. Stop. I know you are dinosaur. Troublesome little puppet. Coup de chien là. Il fait que des coups de chien. Pourquoi tu es autant sur ma gueule? C'est de savoir. J'essaie de savoir. Bah Dex, pour moi c'est le style Bloodborne où tu fais que des skills, c'est possible. C'est un autre style de jeu si t'as l'habitude de faire des roulades et des esquives. Ouais, c'est comme il y en a qui aiment être des gros tanks, c'est-à-dire encaisser les coups et frapper dur. Moi, je suis plus dans la technicité. C'est mon style de jeu. You're just a puppet. Nothing more. Les utiliser, j'ai pas le temps. Ah, oh, c'est terrible. Faut que je sois proche de lui pour les utiliser, Coco. Et les utiliser pour les utiliser, ça sert à rien. Attends, deck, je vais te montrer la définition parfaite d'un deck, d'un dex. Se téléporter. Ouais, voilà. Je vais te montrer ce que c'est un dex, un dex. Dextérité. Tu vas comprendre. Je vais prendre un ennemi. Facile à comprendre. Alors. Marrer des trucs. Et j'ai mon. Voilà. J'ai vraiment perdu la main là. On va pas le faire.
On va recommencer sur lui. En gros, un Dex, je suis pas là pour faire masse dégâts. Je suis plus là pour le faire tourner en brique. Bon, on va aller là. Ah, c'est bien. Voilà. Voilà, un Dex c'est ça. Ça esquive les attaques et ça fuit. On n'a pas de résistance. Un dextérité n'a pas de résistance. Je veux voir tes attaques chargées. Ouais, ouais, ouais. Build force et build Dex c'est compliqué, c'est complètement différent. Ouais. C'est très différent. Bah... Attends. Je vais te montrer. Monter de niveau. Ma vitalité, c'est 30. J'ai que 643 PV. Hein. Je suis ridicule. J'ai 35 d'endurance, donc j'ai 209 d'endurance. Ma capacité est faible. Ma mobilité est énorme. 21 de mobilité. Ma technique 21, pareil, c'est mon attaque. Ma progression, c'est de la merde. Voilà. J'ai maximisé pour avoir... pour avoir une efficacité au combat qui m'est favorable. Je veux pas taillader, je veux passer entre les broussailles. Alors... Je vais vous faire les trucs. Alors, mes fables sur cette arme. La poignée me permet d'avoir ceci. Voilà. Et la lame me permet d'avoir... c'est les 3 Y. 1, 2, 3. Voilà. C'est tout. C'est marrant car tu m'avais jamais... Car tu n'as jamais joué à Bloodborne, pourtant tu fais un build comme si tu avais joué à ce jeu. Oui, c'est les fables, c'est le roi. Bah mon cher Ryu, c'est à peu près comme ça que j'ai build sur Elden Ring. J'ai build ma Dex, hein. J'ai fait 62 de vie. 62 vie, j'avais 86 de vigueur. Esprit, j'avais les trucs de base. J'ai farmé un peu pour avoir du poids. Bah, j'ai pas énormément fait ma force. Un geyser. Sous l'abîme. Ça sert à rien les graines. Franchement, là, les graines servent plus à rien. On est passé à un niveau... ça sert plus à rien. Les graines, elles servent à acheter des éléments pour le cube. J'ai pas le temps d'utiliser le cube. Il charge trop vite. Si j'avais plus de répit, j'aurais pris les trucs. Mais je peux pas. Come to me, my son. Oh. Que se passe-t-il? Ah non, je suis toujours au sang, une merde. Ah, pour te rassurer, Daco, tu as la meilleure arme. Je sais que j'ai la meilleure arme. Je l'ai monté rang S. Je l'ai monté, c'est le plus équilibré. Ouais. J'ai monté sa technique rang S. Aïe. Par contre, va falloir que je me remette vite dans le bain du jeu.
Là, je suis en petite faiblesse, là. Je suis dans la faiblesse, là. Je suis comme une merde. Mais détrompez-vous, j'apprends. C'est dans les moments où on est faible qu'il faut persévérer. Car c'est dans ces moments-là où on peut surprendre le monde. Voilà. Mais il y a une autre... Je sais qu'il y a plusieurs armes qui te... Pardon de t'avoir embêté jusqu'à ce que je comprenne. Non mais t'en fais pas, Coco. J'avais compris que tu... Que ce que tu disais, c'était pour mon bien et tout. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Il y a quelque chose qui me rassure, c'est que là je joue, je suis déconnecté du jeu là, je suis pas dans le meilleur du mood. Par contre j'arrive à aller à un quart de sa vie en P2 et je fais de la merde. Ce qui m'est très rassurant. Ce qui est très très rassurant. Il va crever. Un jour ou l'autre il va crever. Je vais monter en puissance là. Je ne peux que monter en puissance. Je trouve que t'as les meilleurs timings par les parades. Car t'es en mode samouraï. Bien, je t'attends, c'est clair. Aïe. Je suis pas encore tout à fait au point. Par contre, ce qui est effrayant, c'est que les parades perfectes, c'est. Les parades perfectes, c'est quasiment. 75% ça. Hein. 80% des parades perfectes. Je connais le boss. C'est ça qui est terrifiant. C'est que plus je le combat, plus j'apprends. Les timings, c'est pas encore ça. Pour moi, là, dans mon mood actuel. Mais ça vient petit à petit, ça monte. Ça monte. Ça lui fait 75. D'accord. Mmh.
proposition sur la paix, tu peux. Come to me, my son. Attends, je vais mourir. Proposition sur la paix. Tu ne veux pas. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. En fait, si je reste comme ça, tu vois, ma vie, elle part. Tu vois, j'ai perdu quasiment la moitié de ma vie. Et je peux en regagner que le très peu. Tu vois. Et attaquer ne sert à rien. Regarde, tu vois, j'attaque, ça le stunte pas. Alors, je le refais en français sur la P1, l'attaque chargée qui carry ses coups, ouais. En fait, ses coups, ils sont quasiment tous parables. Simplement, au bout d'un moment, tu sais, je me fais stunt moi à force de pas apparaître. Franchement, tu joues hyper bien, je n'avais jamais vu quelqu'un jouer en Dext. Je sais pas si c'est si... Je pense pas que ce soit si rare, le Dext, mais ça doit pas être joué énormément. Vache. Quand il est en rouge, Ryu. Non ? Là. Your freedom is not for you. Eh bah tu verras en Dex. Eh bah tu verras en Dex, ma chère Coco. Sur les attaques, ils sont pas en rouge. Ah, les moments où je peux pas. Ah, d'accord. Il y a une attaque chargée qui. Ah! J'ai jamais testé Ryu, l'attaque chargée. Je savais même pas. Tu m'apprends un truc, Ryu. Tu m'apprends un truc, mon cher Ryu. Attends, je vais la retester. Faut que je teste ça. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Là, Ryu, tu m'as appris l'attaque chargée de mon sabre. Parce que c'est vrai, je ne l'ai jamais utilisé. Mais ça marche pas sur la P2, ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. On va tester. C'est incroyable.
Your freedom is not for you, but for Carlo. C'est n'importe quoi! What the fuck? Mais what? Ça fait mal, ça fait très mal. Oh là 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 là. Terrible. Alors, oh bordel. Coco qui a encore offert un abonnement à Ryu. Oh, mais tu régales Coco, merci infiniment pour l'abonnement. Oh là là, merci Coco. Merci pour l'abonnement cadeau, youhou, oh, les petits cœurs. Oh là là. Quand je dis que t'as l'arme la plus puissante du jeu. Du coup, faut gérer la P2 car la P1, t'as la technique. Ouais. À bien y regarder, la P2, je commence à voir les timings parce que je commence à faire les parades. Ah, les parades perfectes quand il m'attaque. Le problème, c'est que j'ai l'impression que je perds de la vie quand je fais ça. Donc, à tester. Mais si la P1 c'est dérisoire, en vrai de vrai, c'est fou. Hein. Il faut vraiment avoir le timing. Bon, ça marche à charger sur la P2, mais pas toutes les attaques. Ouais. J'imagine bien, sinon c'est trop pété. C'est qu'une question d'entraînement. Non. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories. Moi, j'ai du mal à voir. Tu peux m'expliquer en français? En gros, ma chère Coco, pour faire simple, cette attaque-là, qui me permet de parer, comme... est utilisable sur la phase 2 du boss, celui-là où il a les deux armes, mais pas sur toutes les attaques. Et c'est assez encore un peu sombre pour moi l'utilisation. J'ai du mal à voir où je peux l'utiliser. Carlo's memories within you.
C'est sombre, hein. C'est sombre l'utilisation. L'utilisation est très sombre. C'est très sombre. C'est très sombre. If you can't find those memories, I'll make you into a real human myself. C'est très 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 sombre. Ça part sur le 2 ou 3ème mouvement, j'ai l'impression. 2 ou 3. Ouais. Faut avoir le timing, faut avoir le timing. C'est pas des plus évidents. Mais c'est des plus pratiques par contre. You can become a real human. Come to me, my son. D'accord, vraiment. Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Non. Il faut avoir le temps, hein. Les dégâts sont très très puissants, mais faut l'utiliser. C'est particulier quoi. Faut voir si ça marche sur la durabilité. Non, 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 ça part l'impression. Deux secondes. Ça met deux secondes. You can become a real human. Ok. Come to me, my son. Okay.
utilisé en conditions réelles. Hein. If you can't find those memories, I'll put you in a room where so long. À quoi tu peux utiliser le truc bleu? Et ça sert à rien le truc bleu pour le moment. Là, j'essaye de comprendre la mécanique de cette attaque, de celle-ci. J'essaie de comprendre. Là, j'essaye même pas de le combattre. Hein. Donc je vais garder mes fables. Le timing est chaud. Le timing, je le comprends pas. J'ai pas le timing. Faut gérer. Faut gérer. Attendez. Attendez. Là, je le fais par instinct et non par par autre chose. L'instinct a l'air de bien mieux. Ne barre pas. Tu peux pas marcher sur ça. D'accord. Ça a quand même ses limites. Ça a quand même vraiment ses limites. C'est peut-être quand tu fais la pause finale sur le 0-1. Je sais pas, Ryu. Ça va si vite. Ça va si vite. Je pense pas que ce soit le finish. On va essayer de voir. En fait, si c'est sur le finish, il faut qu'il y ait l'éclat. C'est ça, c'est bien quand il y a l'éclat. Et ça ne marche que quand il y a l'éclat. Donc difficilement plaçable. Chier, qui fait chier, bouge-toi ça. C'est... Waouh, c'est dur. C'est que j'ai utilisé les fables, hein. You can
Les fables, c'est comme cette attaque, hein. Faut les placer au bon moment, hein. Sinon ça fait de la merde. Hein. Incroyable. Il fait super mal. Alors, par contre, là, je viens de réaliser un truc. Si c'est vraiment ça, c'est juste le boss le plus facile au monde avec cette arme. Ryu, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que vous l'avez vu, ce truc? Ça, sur la P2, ça le stunt aussi. Si j'ai le timing, écoutez-moi bien. Si j'ai le timing, ça, on peut faire un quasi no damage, voire juste deux fioles de soins sur le boss final. On peut littéralement, avec cette arme, le briser, le réduire à l'état de cendre, faire de lui un petit jouet. Il a accepté la charte. Maintenant, il doit payer pour ses crimes. La Friend Zone est à ton coup. Incroyable. Ouais, calmez-vous. Let's go. Pour le moment, je suis en phase d'apprentissage des timings, si vous permettez. Calmez-vous. Attendez, on va regarder sur d'autres monstres d'abord. Je veux voir d'autres monstres. On va retourner voir notre ami... Tout à coup le senpai. Yabé Deo. Voilà, on va voir Tentaculo Senpai. Attends, j'ai pas vu. Ah, purée, t'as pas vu. On va y retourner, Coco. On va y retourner. Non. Pas de panique, Coco. On va y retourner. Pour tes beaux yeux. Mais oui. Les beaux yeux. Non, trop tôt. Pas trop tôt. Décision nette. J'ai décidé de trancher en deux la question. Je ne vais pas faire de moitié. Ce boss est à moi. Oh la vache! Ouais, encore une ou deux fois à voir. Mais c'est bien
pas toutes les attaques et il faut que j'arrive à combiner ça avec ça. On va y arriver. On va le déchirer. Oh, il nique sa mère. Je fais de la merde. Ok. On est moyen, très très moyen. On y arrive, mais... Ah, la charge. Ok. Ok. Je vois à peu près le moment. Mais le seul moyen d'être vraiment sur le bon boss, c'est... Enfin, d'être sur les bons timings, c'est face au boss. Concrètement. Chaque ennemi a des temps différents de réaction. J'ai à peu près la seconde et quelques de préparation à cette attaque. Le truc bleu, alors... On va l'utiliser, le truc bleu, mais... juste pour des finishes. Merde. Franchement... Chier. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets. Carlo's memory. D'accord, on peut utiliser à peu près quand on veut. I know you have gone astray. Ok. Techniquement, là, on pourrait tuer, c'est le truc bleu. Oh! Ça fait baiser. Non. No father. To resort to the lash, but there's no other way. Oh, j'ai pas pu esquiver. Je suis triste. Je suis triste. Comme ça, ça fait des dégâts. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Oh, j'ai paré, sac à chiottes. Oh, I forgot to move. Oh, je sais pas parer cette attaque. Je sais pas la parer. Non. Là-dessus, je ne sais pas. Le truc bleu lui a fait des dégâts, il lui a fait 700 de dégâts. Je frappe à 339, il lui a fait 700, il lui a fait le double de mes dégâts, mais c'est sans plus quoi. Ok, et je pense qu'il va me falloir encore 3-4 heures pour le tuer. Ne serait-ce que d'avoir les timings. Rekennec. I know you have gone astray. You troublesome little puppet.
freedom is not for you, but Carlo. Oh, yeah. Dégage de mon chemin. Vire de là. Ah là là. How dare you? You're just a puppet. Nothing more. J'ai pas encore les timings. Soigner plutôt que faire le truc. Okay. Du coup, tu comprends mieux pourquoi j'étais horrifié par ce boss. Ah, mais Kennex, ce boss. Mais non! Non, mais ce boss, non! Non, il est faisable! En vrai, je vais le buter! Je vais le buter en vrai! Je vais le buter, Kennex! Je vais le buter, mais ça sera mémorable, hein. En vrai, y a pas besoin de grand chose, hein. Ah, putain, fait chier, j'ai une double charge. Oh là, bye bye Ryu. Regarde le chat, pas le jeu. Oh! Oh. Ok. Oh, quel enculé! J'ai le timing. Faut que j'ai le timing. If you can't find those numbers, I'll make you into a real human myself. Auto. Je vais pas y arriver là. Les timings. Je suis sorti de montage, je devrais être là pour 20h45. Y'a pas de problème, Kennex. Essaye les trucs bleus. Voilà. Ouais, mais c'est pas la vie, moi, qui me fait chier, moi.
Wow. Problème, c'est pas sa vie, c'est les trucs bleus, je voudrais bien les garder pour sa P2. Hein. You're just a puppet. Nothing more. Ah, elle va se faire enculer. Ah, mais c'est. C'est pas possible d'avoir des attaques instoppables. Quasiment midlife. Tous les boss sont faibles en vrai dans n'importe quel jeu, mais à l'époque j'avais pas envie de mettre encore plus de temps pour le battre, j'avoue. Bah, t'as allé jusqu'où Kennec dans sa vie? Parce que là j'arrive à aller sans trop me faire en me faisant plein d'erreurs et en me faisant chier dessus, j'arrive à aller à sa phase 2 midlife. You can become a real 3 quarts du combat, 3 quarts de sa phase 2. Come to me, my son. Ça va. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets, because of Carlo's memories within you. Oh mais... Putain, les timings dans ce jeu. C'est pas possible d'avoir des timings de si serré. Putain, c'est plus serré que le budget prise dans siècle, c'est incroyable. Voilà. Justement, faut les garder en P2, hein. Merde. If you can't find those men, I'll make you into a real human. Oh. Merde, j'ai pas le truc. Ça me chie dessus là, le jeu, hein. C'est vraiment la frame perfect quoi, les trucs là. Oh. Putain, c'est de l'anticipation quoi. Faut voir l'attaque, faut voir le timing, faut voir. Oh. Terrible. Terrible, 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 terrible. You can become a real human. Faut que j'améliore la technique. Come to me, my son. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memories within you. Oh, on va te faire. So long.
Mais comment je fais avec cette attaque? Comment je fais? Bon, c'est ma dernière tentative, les amis. Après, je vais devoir. Je vais devoir couper. Il va être 20h. Ah oui, il va être 20h, hein, ma chère Coco. Hein. Eh oui, déjà! Pas vrai, j'ai pas le truc, hein. I know you had gone astray. You troublesome little puppet. Your freedom is not for you, but for Carl. Okay. De toute façon, ça me sert à apprendre. If you can't find those memories, I'll make you human myself. Ouais, vraiment, une seconde avant, on va te faire. Oh, Mario, mais son nom va te faire. Va te faire vraiment une seconde à. Même pas une seconde. Il retient trop ses coups. Oh. Je voulais, je vais me préparer pour lancer un petit stream de reprise. À plus tard, les amis. À plus tard, Jorissan. Le truc bleu. Le truc bleu, faut que je le garde pour la P2, Coco. Faut que je le garde pour la P2. Parce que le combat en P2 risque d'être assez court. Parce que plus je reste, plus je risque de mourir. Putain, mais c'est indécent! Mais j'ai rien. La technique est bien, mais elle est horrible. Ah, c'est cheaté comme technique, mais c'est compliqué à utiliser, franchement. Le timing, c'est perfect frame. Oh, va te faire. Va te faire, va te faire, va te faire. Ah, tu rates une fois, c'est mort. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memory within you. Le mec, il cherche 3000 ans, c'est con, quoi. Ok. No father wants to resort to the lash, but there's no other way. Va te faire. If you Allez. Can't find those memories, I'll meet you. Now, doctor. Ouais, j'ai pas.
Je ne l'ai pas et je ne l'aurai pas. Bon, on va s'arrêter là. Il va être 20h. Prochain live, on va se consacrer 5-6 heures sur lui pour le tuer. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce live malgré les nombreuses coupures internet que j'ai eues. Oh la vache. Wow. Bon. On va réussir à le faire un jour ou l'autre. Waouh, 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 waouh. 35 heures. 35 heures, 35 heures. Oh la vache. Bon, sur ce, les amis, des bisous. A plus tard. Portez-vous bien. Et à tout à l'heure, Kinect.